Dans le cadre de leur rentrée académique 2023-2024, l'école prophétique Les Aigles en action du Togo et du Nigeria lance leur nouvelle rentrée prophétique. Le Seigneur me révèle à couler. Les gens que vous avez formés, qui doivent être la relève, ils sont moyens. Dans les prières, il y a des choses qui circulent. Je sentais la paralysie pour marcher sur le corps. Tu sens la paralysie, est-ce que le chef de vie? Il y a quelqu'un qui est à la maison, qui ne fait rien. Au programme, nous avons les cours prophétiques sur l'activation avancée des anges, la précision prophétique, l'interprétation des visions, du parler en langue et des songes, la voyance prophétique, plus 300 exercices pratiques pour l'activation prophétique. Parfois, quand tu es dans une relation, mais tu ne peux pas dire tangiblement ce qui garde la relation. C'est ce que je vois avec toi-même. Tu veux la garder? Sans mentir, non. Seigneur t'a délivré d'une relation toxique, de la main d'une fille qui voulait détruire ta vie. Elle a été mandatée depuis le royaume des eaux. L'ennemi est en train de manipuler ton cerveau. Tu comprends bien? Parfois seulement, c'est comme si tu es bleu. C'est vrai. Dans ta famille, on ne veut pas que les gens accélèrent. On a gardé tout le monde dans le retard. Et le même système est en opération sur ta vie. Compris. Je suis la seule personne qui a fait ça. Tu vis depuis dans le foyer, bien que je suis devant ce papa. C'est ma femme qui s'est occupée. Là, ça me fuse. Dans ton antichambre, comment tu as pleuré, comment tu as gémi, et comment tu as demandé au Seigneur. Regarde comment cette femme me plaise. Mais je ne suis pas un paresseux. Tu disais, oh Dieu, je ne comprends pas ma vie. Je suis attaché en cas avec la bien que tu as fait. Je ne comprends pas ma vie. L'école prophétique Les Aigles en action, par ailleurs, met à votre disposition ces quelques livres que sont le livre sur l'activation avancée des anges, le livre sur la précision prophétique, le livre sur le prophétique avancé. Inscrivez-vous dès maintenant au numéro suivant, le plus 228 97 80 59 40 ou alors le plus 234 811 926 54 83. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Il est notre Dieu et il est fidèle. Et dans sa fidélité, il exerce sa justice. Et dans sa justice, il nous défend et il punit nos ennemis. Vous savez, quand vous lisez le psaume 105, David déclare que sa miséricorde dura toujours et il a tué les enfants d'Égypte. Cela veut dire quoi? Quand le Seigneur nous fait miséricorde, il punit nos ennemis. Quand le Seigneur nous montre sa bonté, il libère son jugement sur nos ennemis. Et c'est ce que nous allons dire. Montre-moi ta bonté et libère ton jugement sur mes ennemis. Montre-moi ta bonté et libère ton jugement sur mes ennemis. Montre-moi ta bonté et libère ta vengeance sur mes ennemis. Montre-moi ta bonté et libère ta colère sur mes ennemis. Élevez votre main droite, dites mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, montre-moi ta bonté et libère ta colère sur mes ennemis. Montre-moi ta miséricorde et libère ta vengeance sur mes ennemis. Montre-moi ta bonté et libère le jugement sur mes ennemis. Alimbe kalazo malimbe borozo vaya. Bariambo shatiga mazoya. Kabendo lokoto. Gabamene ziyada ligo barada. Barumbe vesh.
Karando sepeto maye. Karina magozi bro zibro. Araga deyende bebe shati omada. Bare kaboshi boba. Bare koko ziki na una. Bare kando shiko yandosha. E ratata ti akito mande ke otoye. Montre-moi ta bonté et libère ton jugement sur mes ennemis. Montre-moi ta bonté et libère ta fidélité sur mes ennemis. Montre-moi ta bonté et libère ta grâce sur et libère. Montre-moi ta grâce et libère ta vengeance sur mes ennemis. Montre-moi ta bonté et libère ta colère sur mes ennemis. Montre-moi ta fidélité et libère ton jugement sur mes adversaires. Arami oseko yama. Eboroze zemiko rakatoya. Aria koko setemia kudebrahade. Arushka beweteto soparami aso. Agabade gabade ligo barata. Barukutu yakadena madezo baridade. Ashadon gabado. Kalele barabe zigaba, barikato zigaba hena, barekudu shidobrani katoya, ikaboronia zeketonia brabi, aruka mbelata, eke barutake, abarondelegesh, zo barakote yama, zo rikata yembe shatia, barunde kerusokorino mayakata, holido suteri maya, abariande keruzo, Ashatania karevena, Ashatania karevena, Ashatania karevena, Abarudia zeketozi, Akoberika koto ya naze, Barua mbele kete paradea, Barua mbele kete rebezia, Barua lambe karuze kato, Barua lambe chato chato, Barua lambe katozia kadozia, Ande bebe rokoto siyatoya, Balene leketo, shabia maleketo, Agabarua leketo, shudala leketo, Eboroko nezeketo ya mazeketo, Agabaria hendos, Bandelebo shatata, Bandelebo raketo, Bandelebo ratakizo, Randelebo shikabandoka, Randelebo shabina makaboya, Agwadelida do seketo, Aguarabi yeke na bazugabina, Akorodi zekete niya kelebusuku, Aya mandaze, Arikota bahaze, Ako pelondo zeke, Akunudu shatiga, Ako pelando zekebo, Ika palande yatu, Agobre de zozena, Akubiru de zatanish. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. Vous êtes sur la trompette du jugement. Où nous réclamons au juste juge d'exécuter la vengeance. Nous sommes sur la trompette du jugement. Où nous réclamons au juste juge d'exécuter le jugement, d'exécuter la vengeance, de déployer sa force et d'exécuter le jugement. Parce que la Bible déclare dans Ecclésias que si le jugement n'est pas exercé, le méchant sauté, le méchant n'apprendra jamais la repentance. Jamais. Si vous croyez que le méchant va se lever un jour et se repentir de lui-même, jamais. La meilleure arme qui oblige le méchant à se repentir est appelée le jugement de l'Éternel. Le jugement de l'Éternel. La fureur de l'Éternel, la colère de l'Éternel, la vengeance de l'Éternel, la rétribution de l'Éternel. Si vous êtes là et vous dites que Dieu connaît toutes choses, un jour, cesse de sorcier va se repentir. Il ne va pas se repentir. Et si jamais il vous tue, avant de se repentir, il ira dans la vie éternelle et vous, vous irez dans l'enfer. Donc ne donnez pas d'occasion aux méchants. Exterminez-les. La Bible déclare dans Job, comme l'hirondelle est née pour voler, le méchant est né pour la mort. Comme l'hirondelle est née pour voler, le méchant est né pour être exterminé. Comme l'hirondelle est née pour voler, le méchant est né pour être ravagé. Comme l'hirondelle est née pour voler, le méchant est né pour être massacré.
Ça, c'est la seule loi que je connais. Si vous connaissez une autre loi, cela vous concerne. Le méchant est né pour être utilisé comme un outil d'expérimentation de la vengeance et de la colère de l'Éternel. Toute personne qui exerce la divination, qui exerce la sorcellerie, qui est connectée au mysticisme, à l'occultisme, au diabolisme, au satanisme, ils sont nés comme l'hirondelle pour la mer. Ils sont nés pour être massacrés. Car le jugement de l'Éternel ne dépannera aucun d'eux au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Écoutez-moi très bien, abonnez-vous. Likez la vidéo et partagez. Devenez les anges de la bonne nouvelle et partagez. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Soyez fidèles dans les partenariats, dans les dîmes, car le dernier vendredi du mois à 19h, je serai en ligne par Zoom pour prier et bénir l'œuvre de vos mains, tous ceux qui sont connectés par l'alliance de la dîme, l'alliance des donations et les partenariats. Et vous verrez la gloire de l'Éternel. Nous allons prier. Et nous voulons prier contre la méchanceté institutionnelle. Parce que la méchanceté institutionnelle amène les gens. D'abord, la première chose que la méchanceté institutionnelle attaque, elle attaque les études des enfants. C'est ça, c'est la racine d'abord. La méchanceté institutionnelle attaque la qualité de vos diplômes. Vous allez voir quelqu'un qui a le baccalauréat, qui a le doctorat, mais qui fait une activité de quelqu'un qui a le bac et qui est rémunéré comme quelqu'un qui a le bac. Son doctorat n'a pas été validé. Il est dans la fonction publique depuis des années et son doctorat n'a pas été validé. Il est un cadre qui peut être B1 ou il devait devenir un cadre A1 et depuis cela n'est pas validé. C'est la méchanceté institutionnelle. Et c'est ce que nous voulons détruire. Et n'oubliez pas, j'ai dit, mais la méchanceté institutionnelle s'attaque d'abord au diplôme. Vous allez voir des gens qui ont de grands diplômes, mais qui font des travaux, des professions qu'on ne peut pas comparer. Le monsieur, il est en France, il a de grands diplômes, mais il fait un aide garagiste ou bien un magasinier, alors qu'il a de grands diplômes. Son problème, c'est quoi? Écrivez, c'est la méchanceté institutionnelle. Et c'est ce que nous allons détruire. Nous allons invoquer la vengeance de l'Éternel. Nous allons invoquer la rétribution de Elohim. Nous allons faire descendre le jugement de l'Éternel sur la méchanceté institutionnelle. Et vous allez voir, dans certaines organisations, dans certaines administrations, vous allez voir, il y a une dame là-bas, elle a les grands diplômes, mais c'est elle qui fait les petits jobs. On lui confie tous les petits jobs du bureau, c'est elle qui fait. Elle est plus diplômée que tous ceux qui sont là. Et elle se dit que c'est le problème, que ce sont ses patrons. Ton problème, ce n'est pas ton patron. C'est la méchanceté institutionnelle de la maison de ton père et de la maison de ta mère. Vous allez voir, il y a des gens, quand ils vont au bureau, ils font leur responsabilité et ils font la responsabilité de tous ceux qui sont là. Mais ils sont toujours en stage. On n'a pas validé leur stage. Ils font ça pourtant, leur contrat n'est pas renouvelé. C'est quoi? Répondez avec moi, c'est la méchanceté institutionnelle. Et cette sorcellerie doit être consumée, brisée maintenant. Andaguazembeyete, yolo, chanta kukenya, matus, kekunya, kente se parina, ekopariame kasukabele mesh, ekokoperia tekino mekezozo, abandule yatande mazege lege mesh, abdabende bebendo, ira kato zeprade, alkudish kato melekete. Regardez, il y a des gens, ils se voient au bureau. Leur patron est en train de les châtier, leur patron est en train de crier sur eux, leur patron est en train de les menacer,
Et il y a d'autres, quand ils veulent rentrer dans leur bureau, ils voient dans leur rêve qu'il y a quelqu'un derrière la porte du bureau qui les pousse, qui les repousse. Tous ces systèmes sataniques sont organisés par la méchanceté institutionnelle. Et si vous êtes victime, préparez une semence maintenant, ne m'attendez pas. Vous ne jouissez pas de l'administration. Il y a des gens, on donne des primes à tout le monde dans le bureau. Les primes ne sortent pas. Quand on perd le salaire sort. Le salaire prend encore 4 jours, 5 jours, une semaine avant de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a reçu le salaire. Mais vous n'avez pas reçu. Tout le monde a reçu bonus, arriéré. Il y a des primes qui ont été payées à tout le monde. Mais vous n'avez pas reçu. Ce n'est pas votre patron, mon frère. Ma soeur, ce n'est pas ton patron. Il y a une méchanceté institutionnelle qui te suit. Prends bien le temps de prier dessus et d'invoquer le jugement de l'Éternel sur cette méchanceté institutionnelle. Et tes droits te seront restaurés et restitués. Nous allons prier. Je me mets déjà dans mon esprit. Alungaba sakelobaha. Oh, ricatombe le monstre bakanda. Abendelo sotonina mikanda bayata. Velo soperado. Gavele beti kobaheza. Baria kaponta kobande. Gabunindo sekelomba kalushi kantao. Aruze yatabona hambe. Ardebe labo shikaboratia, elumen tebereko, ziebe na gadushi. Nania, kobilero sokoto barata. Ajada, jada, yebe, shada. Atele tele mika, yane zopre. Tu berede, yeketo, azeketo bahadash. Je ne crois pas que nous pouvons gérer la méchanceté institutionnelle en une séance. Dès nous allons revenir encore. Parce que nous devons premièrement prier pour les diplômes, les qualifications. Élevez votre main droite, dites mon père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère le jugement de l'Éternel contre la méchanceté institutionnelle qui s'est focalisée sur mon diplôme et sur mes qualifications. Priez dans le nom de Jésus. Zonavela Kodebe. Arunaba Sokoria. Arunavelo Krozina. Gatube. La Liaze Devosh. Argaboza. Yetusha. Belebele. Kutu. Navaziazi. Baria Soto. Alberede Shakadomaya he Badiburus Albele Meneto Belete Oriolo Katakutana Mazo Oriolo Karima Rima Kenizihe Oriolo Karnova Ika Sumane Ayala Yamare Mare Kore Kore Kisu Oriolo Rakina Masoso Paradia Ze Oriolo koko nina mazuri bati ya koko barata. Oriolo rikatona zetete teteme yetete. Oriolo riko patazumi ya tetete. Ashuda la beba. Ademande. Katu kuwai sekeleba. Bariko so. Zelme. Stoporada. Adekolo koko. Azedede yatama nazo. Yatima nazo he, agabaruze yatat, barushotosh, ente koruva, yadabazone, latu kuruku, agamenai, abadilosh, alebra sudeve, andelebre sudeve, yakushkaba, Batelele, zohe, agabaduziana, orkete baish, antalabina bina, kobila rabozeke, kobila rabozeke, ostatina baruska, Zeka Banadosia, Zekubikubia, Zeka Banadosia, Dove, Ligo de Barata, Ashuda Bahea, Mabunde,
Madumbe, Eata, Madumbe, Koto, Madumbe, Azabahinda. Écoutez-moi très bien. La méchanceté institutionnelle amène l'administration à vous défavoriser. Je répète, la méchanceté institutionnelle amène l'administration à ne pas vous favoriser. L'administration peut favoriser tout le monde, mais vous, vous ne serez pas favorisé. C'est la méchanceté institutionnelle. Et nous allons prier dessus. Par exemple, vous avez déposé le visa, ce n'est pas sorti. Le passeport, on ne vous donne pas. La carte d'identité, on refuse. On veut le faire que vous rejetez. La carte d'enregistrement biométrique, vous n'avez pas. La méchanceté, le jugement, l'acte de naissance, vous n'avez pas. Vous déposez le dossier au tribunal, ça ne sort pas. Vous avez une parcelle, vous voulez faire le document, ça ne sort pas. La méchanceté institutionnelle amène l'administration à ne pas vous favoriser. Pas seulement vous, à ne même pas vous donner vos droits. Vous êtes de la classe des gens qui ont été recrutés dans l'année 1990. Maintenant, il y a une prime pour tous ceux qui ont été recrutés dans l'année 1990. Maintenant, vous êtes de leur classe, mais vous n'avez pas reçu la prime. Méchanceté institutionnelle. Nous allons prier. Élevez votre main droite, dites, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute méchanceté institutionnelle qui amène l'administration à me combattre, à me défavoriser, je libère sur toi le jugement de l'Éternel. Je libère sur toi la colère, la fureur de l'Éternel, par le feu et par le tonnerre. Priez dans le nom de Jésus. Zoembe la main. Zoembe le mero. Soukouambe la bara. Adembe le kérouze. Barachumbe atamando. Toute méchanceté institutionnelle qui amène l'administration à ne pas me favoriser, qui amène l'administration à ne pas me donner mes droits, je viens contre toi au nom de l'Éternel Dieu des armées célestes. Je libère sur toi le feu dévorant. Toute méchanceté femme, méchanceté institutionnelle qui empêche l'administration de donner mon permis de conduire, de donner ma carte d'identité, de donner ma carte biométrique, de donner mon passeport, de signer mon visa, de signer ma lettre de promotion. Recevez le feu dévorant du Saint-Esprit contre la méchanceté institutionnelle. La biasque, l'inté. Arrazovo, katoshkama. Ariabandosh. Idoze. La diadi gauche. Lamboro koto yamazeketele. Ariakoto niyakoto. Ariakoto nabariakoto niyazegede. Zegedeya. Et Zegebe Ratuga Baruka Tusha Paruete Baruente Baruente Calibro Soto Zekido Soto Adayamana Adayamani Yakote Adayamani Wakurubaha Kuribahea Kabaze Kote Adakuruande Ashta Koka Ika Tokato. Étendez vos mains vers moi. À partir de cet instant, prenez votre semence. Par cette semence, à partir d'aujourd'hui, que votre vie, vos documents soient libérés de l'influence, de l'emprise, de la méchanceté institutionnelle. À partir d'aujourd'hui, toute méchanceté institutionnelle installée dans l'administration, qui utilise l'administration contre vous, recevez le jugement de l'Éternel. Soit consumé par le feu. Consumé par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons revenir et prier toujours sur la méchanceté institutionnelle. Et vous verrez la gloire de Dieu. L'Éternel a parlé, sa main agit. L'Éternel a parlé et ses anges ont accompli sa volonté. L'Éternel a parlé et l'Éternel a agi. Shalom. Et à bientôt.
le cadre de leur rentrée académique 2023-2024, l'école prophétique Les Aigles en action du Togo et du Nigeria lance leur nouvelle rentrée prophétique. Le Seigneur me révèle, appelé, les yeux sont attaqués, les articulations sont attaquées. Effectivement. Les gens que vous avez formés, qui doivent être la relève, ils sont moyens. Il y a des choses qui circulent. Je sentais la paralysie pour marcher sur toi. Tu sens la paralysie, est-ce que le chef de vie? Il y a quelqu'un qui est à la maison qui ne fait rien. Il est là, ça ne fait rien. Au programme, nous avons les cours prophétiques sur l'activation avancée des anges, la précision prophétique, l'interprétation des visions, du parler en langue et des songes, la voyance prophétique, plus 300 exercices pratiques pour l'activation prophétique. Parfois, quand tu es dans une relation, mais tu ne peux pas dire tangiblement ce qui garde la relation. Celle que je vois avec toi-même, tu veux la garder? Ça m'a dit non. Le Seigneur t'a délivré d'une relation toxique, de la main d'une fille qui voulait détruire ta vie. Elle a été mandatée depuis le royaume des eaux. L'ennemi est en train de manipuler ton cerveau. Tu comprends bien? Parfois seulement, c'est comme si tu es bleu. C'est vrai. Dans ta famille, on ne veut pas que les gens accélèrent. On a gardé tout le monde dans le retard. Et le même système est en opération sur ta vie. Je suis devant ce papa. C'est ma femme qui s'appelle tout et là, ça me fuit. Dans ton antichambre, comment tu as pleuré, comment tu as gémi, et comment tu as demandé au Seigneur. Regarde comment cette femme le traite. Je ne suis pas un paresseux. Tu disais, je ne comprends pas. Je suis attaché avec la prière que tu as fait. Je ne comprends pas ma vie. L'école prophétique Les Aigles en action par ailleurs met à votre disposition ces quelques livres que sont le livre sur l'activation avancée des anges, le livre sur la précision prophétique, le livre sur le prophétique avancé. Inscrivez-vous dès maintenant au numéro suivant. Le plus 228 97 80 59 40 ou alors le plus 234 811 926 54 83. Que Dieu vous bénisse.